Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Bon, ben aujourd'hui, je vais vous présenter une série de matchs que j'ai joué. Peut-être Lily, peut-être une prochaine fois. Des matchs que j'ai joué le 5 avril. Des parties en équipe, entre autres. Dont deux parties à trois joueurs que j'ai remporté sans chuter. Mais juste pour vous avertir, ok. Elide, ok, aurait probablement subi une déconnexion dans les 36 dernières secondes de la partie. C'était au moment où que j'ai éjecté Javi et qu'il s'est retrouvé, à cause de du lag qu'il y a eu, il a fait un mauvais saut et ça m'a donné le chaos de la victoire pour moi, vu qu'on était à égalité à 1 chacun, sans chuter. Et j'ai pu rester jusqu'à 138% jusqu'à la fin. Puis là, une partie avec Draco Feu et une partie sans chuter de 2 KO. C'est ma 201e victoire. Et là, c'est mon 202e qui sont deux parties sans chuter. Malheureusement, ok, il y a une personne qui a eu encore une déconnexion pendant mes deux parties sans chuter de suite à 3 joueurs pour une deuxième fois. Parce que la dernière fois, ça remonte à pas longtemps. Ok, juste avant de commencer, ok, j'aimerais savoir, des fois quand je regarde des vidéos de mes chaînes favorites, comme exemple Biffy, Smash Do, ok, ça c'est une équipe de 4 personnes ou peut-être de plus, en tout cas eux autres ils font des vidéos, ok, sur les combos possible sur les chacun des personnages de Super Smash Bros. For Wii U, peut-être Super Smash Bros. For DS aussi. Ils montrent divers glitches, divers trucs intéressants dans le jeu. Puis aussi, ben là, tout d'un coup, subitement, ils rapportent les nouvelles, on pourrait quasiment dire, entre guillemets, sportives, vu que, selon EA Sports, ok, Super Smash Bros. For Wii U est rendu un... genre, les jeux vidéo sont rendus un sport. Bon, en tout cas, un sport... Moi, je vois pas ça comme un sport, mais c'est vrai que ça pourrait ressembler à un sport avec l'intensité qu'il y a là dans les tournois, c'est sûr. Mais à dire de manière officielle que ça pourrait être considéré comme un sport, ça, il faudra attendre quelques années pour qu'il y ait une confirmation mondiale pour ça. Parce que, je sais pas, là, c'est vrai que genre, il y a beaucoup de monde qui suivent leur joueur favori, puis ils veulent qu'il soit le meilleur, puis qu'il gagne son tournoi. En tout cas, pour moi, l'animation est palpable, puis il y a beaucoup de ces joueurs-là sont pas mal. Ils ont des grosses attentes par rapport à leur public, par rapport aux médias, puis tout ça. Ce qui fait que le source de stress est bien plus intense que d'habitude. Ok? Bon, ok, là je pose une question, ok, à l'équipe Biffy Smash Dude, ok. Là je leur demande, ok, parce que genre c'est une vidéo qui dure 24 secondes. Je vois défiler genre les personnages qui sont animés en 3D. J'imagine que c'est l'équipe de Biffy Smash Dude pour faire une promotion de je sais pas trop quoi. En tout cas pour dire que probablement pour que ça va être leur équipe représentée pour vendre leurs produits, probablement les nouvelles sportives pour Smash Bros. For Wii U. Ben, dans la série Smash Bros. Au bout du compte, vu qu'il parle aussi un peu de Melee. Il y a de Melee, ouais. Ça va de soi. C'est ça. Je leur demandais, ok, c'est supposé de représenter leur équipe. C'est ça que je posais comme question. Puis là, j'aimerais ça avoir plus d'informations parce que la vidéo dure juste 24 secondes. Et une personne m'a répondu en dessous, probablement l'un des membres de la chaîne Biffy Smash Dude, m'a dit « We're all prospects. Nous sommes tous des prospects. » Là, je me demandais c'est quoi ça voulait dire « prospect ». Fait que j'étais allé voir l'information sur Google. Mais ça me donnait pas une manière précise, ok,
qu'est-ce que ça voulait nécessairement dire, parce que je comprenais pas très bien. Puis là, je suis allé voir après ça, par rapport à ça, qu'est-ce que ça voulait dire, une prospection. Ok, et puis là, ça disait, ok, comme traduction, une prospection, ok, c'est un processus dans une compagnie consistante pour les rendre réels. Ben, en fait, attendez, je vais vraiment prendre là-dessus, bon, ok. Ok, c'est un processus dans une compagnie consistante, sur une compagnie consistante, ok. En cherchant des clients potentiels nommés prospects. Attendez, là, je cherche mes mots là, parce que là, Seigneur, ouf, ça fait que c'est la première fois que j'essaie de vous dire un petit peu la traduction d'un mot que je connais pas. Ah, ok, ok, pour les rendre réels. Pour les rendre réels. Ok. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Genre, c'est comme une espèce de, je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est comme genre une entreprise, ok, qui essaie d'aller chercher du monde pour qu'ils deviennent clients avec eux afin de qu'ils puissent que pour une compagnie quelconque, n'importe quelle, je sais pas, peut-être la chaîne Beefy Smash Joe de pouvoir accroître sa compagnie dans comme accroître son réseau de publication. Probablement que c'est quelque chose dans ce genre là. C'est genre un processus dans une compagnie consistante. Je sais pas ce que ça veut dire consistante. Ok. En recherchant des clients potentiels. Ok. Qui sont nommés prospects pour qu'ils puissent accroître leur audience, quelque chose dans ce genre-là, vu ça a un lien avec probablement leur chaîne YouTube, probablement. Vu que c'est eux autres qui nous rapportent les nouvelles de tournoi de Super Smash Bros. For You à chaque semaine. Depuis un petit bout de temps, ça a commencé, genre, depuis peut-être 2 ou 3 semaines déjà, là. Depuis le Civil War, là, Seigneur, genre, peut-être une fois par semaine, ok, ou bien deux fois, genre, pour annoncer, genre, les nouveautés qu'il va avoir durant l'été ou durant le printemps, là, peu importe, ben, durant l'été, là, disons-le, au printemps-été. Ok, de qu'est-ce qui va se passer dans le monde dans Super Smash Bros. For Wii U. Ok, les tournois qui vont avoir lieu, tout ça. Puis n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, puis tatatitatata. Ouais, tout le temps le même rappel pour que les gens n'oublient pas. Moi, je l'ai pas oublié. Moi, j'ai pas oublié qu'est-ce que vous avez dit. Et moi j'en ai déjà assez à gérer un chaîne YouTube, ok, puis deux comptes, ok, sur un site de record anglophone et français, ok. Moi j'ai pas envie de m'embarquer sur un forum quelconque, ok, puis voir les commentaires qui sont dits en bas. Parce que moi, déjà, juste voir l'allure de YouTube, ok, genre voir tous les commentaires qui se disent sous la vidéo, je préfère pas m'en mêler. Des fois, j'ai des trucs vraiment pas rapport, puis tout le monde met des likes dessus, même au 100-200 likes. Ouais. Puis là, c'est ça, je pose comme question, ok, est-ce que c'est supposé représenter votre équipe? Ok, la personne qui me répond en dessous de mon commentaire, juste en dessous de la vidéo, ok, il me répond, we're all prospect, ok,
Puis il demande de regarder ses stuff, probablement ses dessins ou quelque chose sur sa chaîne YouTube. Mais moi, je suis chacune de leurs vidéos depuis presque 2 ans, là. À eux autres, ok? Fait que moi, je sais pas où trouver ça, leurs dessins, puis tatatitatata. Ils me disent ça, mais ils me répondent pas nécessairement à ma question parce que moi, ce que j'ai demandé. Ah, ok, ouais, j'ai demandé un petit peu d'informations parce que genre, je suis un peu dans la confusion parce que là, je sais pas quoi penser de cette vidéo-là parce que genre, ok, oui, ok. J'ai trouvé quand même que l'animation était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Mais avant de mettre un like, je veux savoir si ça représente bien leur équipe parce que je reconnais aucun de ces membres-là. Parce que moi, j'en ai juste vu 4 de la chaîne Bivy Smado. J'en ai juste vu 4. Puis eux autres sont fans de jeux Link, en tout cas. Bref. En tout cas, des jeux de que moi, que je suis pas fan non plus, là, tu sais. Moi, je suis pas vraiment fan de ça. En tout cas. Bref. Genre, je sais qu'il y en avait un là-dedans qui aimait bien les jeux Link. C'est ça, tu sais. Il était même pas capable de me répondre par oui ou par non. Fait que je me demande s'il a bien lu mon commentaire pour me dire ça. Est-ce que je suis obligé de répéter en anglais qu'est-ce que j'ai dit? Que j'ai essayé de dire en anglais, vu que moi je parle pas anglais puis j'utilise souvent Google Translate pour m'aider un peu dans tout ça. Ok, it's suppose. Suppose to represent your team. It's suppose. Oh, excusez-moi, là, je suis un petit peu là dans ma tête, là, dans mon cerveau, là, ça déroule à une vitesse folle, là, que des fois, je me mélange avec un paquet d'affaires en même temps, là. Excusez-moi. It's supposed to represent your team. Yes or no? C'est juste ça que j'ai demandé, point final. Oui, c'est sûr que peut-être que j'aurais peut-être pas dû écrire. Ok, je vous demander un petit peu d'informations parce que là je suis un peu dans la confusion là, parce que là je sais pas quoi penser parce que genre, la vidéo je joue à peine 24 secondes puis ça montre genre des probablement des personnes qui ont été rembogées en 3D puis que c'est bien fait quand même là, c'est vraiment bien fait mais je sais pas quoi qu'ils représentent, c'est quoi au juste, je comprends pas là, tu sais c'est comme des guerriers, je comprends rien, je comprends absolument rien, tu sais. Ça dit, comme je pense, le titre de la vidéo, ça disait, ok, Overwatch Team, quelque chose dans le genre là, en tout cas. Ils veulent qu'on voit leur équipe Overwatch. Je comprends pas, je comprends juste pas, je vais juste poser la question. Vous me répondez, nous sommes tous prospects, allez regarder nos dessins sur YouTube. Mais ils sont où vos fucking dessins? Excusez-moi, là, tu sais, parce que là, tu sais, pour moi, là, genre, c'est bizarre. À chaque fois que je pose des questions, j'ai l'impression que les gens lisent à moitié de qu'est-ce que. La moitié de qu'est-ce que j'écris. Ok, je pourrais pardonner des c'est correct, ok, genre, la dernière fois, c'est. Ok, peut-être que quelqu'un des gens a peut-être pas bien compris qu'est-ce que je disais, parce que des fois, genre, la manière dont je le dis, c'est pas la même manière que les autres veulent poser leurs questions. Fait que je le comprends comme ça, puis c'est bien correct, ok. C'était juste, je voulais juste savoir c'était quoi un patch. Là, je sais c'est quoi maintenant, un patch, et que c'est un glitch qui est arrivé dans un jeu qui a été corrigé. Là, le plus récent, c'est que Alpha Clément nous a montré un glitch de du talent assaut de Ronflex, ok, qui était multiplié par 3 au lieu d'être multiplié par 2. Parce que lui, assaut, qu'est-ce que ça fait? C'est que. Augmente les dégâts si l'attaque n'est pas très efficace. C'est supposé d'augmenter du double, c'était augmenter du triple. Fait que ça avait un avantage quelconque vu de ça. T'sais, puis là, je voyais les gens qui me montraient un exemple. Oh, ça y est, je m'en rappelle plus. Parce que je me souviens qu'il y avait des mions dans le tableau, il y avait des petits ravis. Ok, puis tout ça, que Asso était là pendant qu'il alignait ses links,
Je pense que c'était dans Vortant ou quelque chose dans genre là, genre le Vortant qui apparaît, genre, puis que tu peux. Ça sert à dépasser un sou. Ok, aller le capturer, genre, puis elle va taguer dans ce niveau-là. Ouais, puis là, il y en avait un qui va, Grand Ninja, qui me disait un petit peu. Ils l'ont bœuf. Voyons, c'est quoi cette réponse-là? Celui-là, voyons, c'est quoi là? Je comprends là, je comprends pas. C'est comme là, il divide ma question là. Bon, c'est toujours ce qui arrive. Puis là, j'arrive aujourd'hui. Ok, je regarde l'une des vidéos de Biffy Smajos qui vient de tout juste de sortir. Ok, avec les beaux personnages ramoglés, genre vraiment, c'est vraiment beau quand même, un beau montage celui-là. Mais je me demande si ça représente leur équipe, c'est que je sais pas que ça représente, je suis un peu dans la confusion. J'y vois tout habillé en guerrier, mais je comprends pas. Surtout habillé comme genre en espèce de gardien de l'univers, quelque chose dans ce genre-là. Ok. Mais j'en connais aucun d'eux. Fait que c'est pour ça que je pose la question et qu'ils sont capables de me répondre par oui ou par non. Peut-être que j'aurais pas dû écrire. Ok, je vais te demander plus d'informations. Moi, c'est parce que moi, la seule chose que je veux savoir, ok, c'est supposé être votre équipe. Parce que là, je suis dans l'incertitude. Oui, ok, c'est vraiment beau que ce que vous avez fait là, mais j'ai rien compris par rapport au titre de la vidéo, qui est de Overwatch Team, là. C'est ça, je comprends pas. C'est genre Biffy, Smash Joe de Overwatch Team. Quelque chose dans ce genre-là, me semble. Le titre de leur vidéo, puis j'ai pas bien compris. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait grandement apprécié parce que là, on m'a même pas répondu à la question. On dévie carrément de ma question. Genre, tu sais, ma question était c'est supposé d'être. Supposé représenter votre équipe. Il me répond par nous sommes tous prospects. Allez voir nos dessins. C'est notre site YouTube. Mais je vous suis depuis 2 ans, puis j'ai pas vu de dessin à date, moi, là. Moi, je vous suis depuis 2 ans, puis je sais pas, là. Moi, je suis pas au courant qu'il y avait des dessins, ou. Tu sais. Tu sais, je m'informe sur tout, mais des fois, genre, ok, ça me porte un peu la confusion, je suis là. Ok, ben, c'est quoi que ça veut dire, cette vidéo-là? C'est ça. Des fois, il y a des choses que je comprends pas moi-même. Fait que ça serait vraiment apprécié si vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus. Au lieu de dévier de ma question. Yes or no? Ok. Bon, maintenant, ok, je vais vous présenter mes 2 matchs de partie sans chuter. Bon, ok, je dis ici que ça fait dur. Pourquoi je dis que ça fait dur? Parce que vraiment, là, c'était un jeu endormant, là. C'était vraiment endormant, là. Il n'y avait rien d'intéressant, là. T'en avais un qui dormait d'un côté, l'autre de l'autre bord. Mais c'était tellement tranquille là, plate. Regardez ça, c'est des Pac-Man qui sont en train de faire subir du dégât pendant qu'ils sautent. Oh boy, il a survécu à 77. Ah, il a encore survécu. Mais je vais tuer Skidman à 90% pour mon premier KO. Juste ici. Comme vous avez vu, j'ai jamais subi 30% de dégâts en 1 minute. Je me sens soulevé bien plus que ça. Vous voyez, un bon petit coup de tête, puis il y a 2 KO, puis c'était les 2 seuls KO que j'ai pu faire. Regardez, il bouge même pas, là. Qu'est-ce qu'il fait, le joueur de Monsieur Game & Watch? Pourquoi qu'il dort de même? Tu sais, avouez, là, quand même, là, ça a l'air plate, là, tu jouer une partie à 3 joueurs de même. Tu sais, c'est une partie facile à gagner pour moi, là. C'est vraiment trop facile, là. Ça force pas fort la note.
Vraiment pas. Oui, quoi? Quoi? Ok, je m'en viens. C'est beau. Bon, ben là, on va se revenir pour la suite plus tard, ok? Je vais rattacher l'autre partie sans chuter avec cette vidéo-là. Bon, ok. Là, juste pour faire un petit rappel, ok, tantôt, ok, là, j'essaie de vous expliquer un petit peu c'est quoi des prospects. Ok, c'est genre une personne ou un groupe de personnes X. Ok, qu'une filiale ou quelque chose, ou ben genre, on pourrait peut-être dire des hommes d'affaires qui ont déjà des personnes potentielles qui veulent vendre leurs produits, ben en fait, qui veulent accroître leur marché. Ouais, c'est ça. Ils veulent accroître leur marché, genre un peu des prospects, ok, ce sont des gens, ok, qu'une filiale ou quelque chose, un groupe de personnes qui recrutent pour accroître leur compagnie. Puis dans le cas de Biffy Smaldo, c'est probablement le fait qu'ils nous font les annonces de possiblement des tournois qui vont avoir lieu prochainement pour Super Smash Bros. For Rio, ben pour Melee, entre autres. Ok, puis il va nous dire, ok, qui a gagné, qui a perdu. Ok, genre nous expliquer un peu en détail, ok, qu'est-ce qui s'est passé durant les tournois. Ouais, puis probablement que genre c'est ça, je sais pas, en tout cas ouais. En tout cas, peut-être qu'il va essayer de ben comme genre pour promouvoir leur image, ben il y a genre une probablement une compagnie quelconque qui veulent les engager dans leur filière pour, ben je sais même pas ce que ça veut dire filière là, mais en tout cas je veux plutôt dire qu'ils veulent les engager chez eux pour avoir probablement une coupe d'action de leur vente de produits. Enfin, c'est une affaire compliquée là à expliquer. Que même moi, je comprends pas très bien. En tout cas, je sais pas si je l'explique bien. Ok, afin de se faire un peu plus de cash, je pense. Travailler comme en collaboration. Puis genre les prospects, ben c'est ceux-là qui sont des gens okay, qui sont choisis pour qu'ils puissent accroître un peu, ben disons dans le cas du groupe de Biffy Smaldo, de leur chaîne YouTube, pour faire des promotions sur des produits, sur ce qui vend. Disons là les nouvelles qui pourront dire supposément sportives de Super Smash Bros. For Wii U. Ouais. Bon, maintenant je vais vous présenter ma deuxième partie de suite sans jeter avec à 3 joueurs pour moi. Puis j'avais quand même là, il est vraiment un très bon joueur. Mais juste pour vous avertir que Elin, ok, lors des 36 dernières secondes, ben il a subi une déconnexion. Tout juste avant que j'avais subi une chute en cause du lag. Parce qu'il y a eu un lag entre temps, puis ça lui a causé une chute. Ce qui m'a donné l'avantage pour ma victoire. Je n'ai subi que 2% de dégâts en 10 secondes.
Là, j'étais à 11. Ça va bien jouer là. Très beau smash bas. Mon compte ici, mais genre le compte est arrivé après l'esquive. En tout cas, il est très protecteur, Jagi. Oui, il est fort, mais il est très protecteur. Fait que, genre, dès au moment que tu l'éjectes, ben, il veut absolument te fuir à tout prix. Puis il attend de faire un compte après son esquive. Sinon, il continue pas. Non, là, il faut que je me protège. Et voilà. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il avait en tête, Elid, là. Mais c'était un peu du n'importe quoi, là. Il fallait juste spammer, là. Ou presque. Regardez, c'est ici, vous voyez. Donc, ça veut dire à peu près, il reste environ 30 secondes, puis là, il est plus là. Il a probablement subi une déconnexion. À partir de là. Le pli est parfait. Ouf! J'ai fait la roulade tout juste à temps. La roulade qui a fait la différence. Si j'aurais pas fait la roulade, je pense que j'aurais été mal pris par son smash haut. Mais quand même, le smash haut de Mewtwo est quand même dévastateur. Il a convoyé une mention ordinateur par rapport à Aileen. Il était plus là à partir des 38 dernières secondes. Là, c'est avant que Jaivy ait fait la mauvaise chute que vous avez vue. Tout juste avant, ça veut dire genre une fraction de seconde avant. Sa mauvaise chute. Qui m'a donné l'avantage et la victoire aussi. J'aimerais que ça arrive à un moment donné, genre d'une manière officielle, que j'ai réussi deux parties sans chuter consécutives à trois joueurs. Mais ça donne pas vu qu'il y en a toujours un qui finit par se faire déconnecter. Fait que là, je suis comme là. C'est plate, c'est poche, moi je sais pas genre, tu sais, pour une fois que ça m'arrive, en plus ça m'est arrivé deux fois, puis c'est toujours un ordinateur qui est là. À la toute fin. Genre parce que genre il y a l'un des joueurs qui se fait comme déconnecter, genre, à cause du lag, voilà. Mais le lag m'a donné de la victoire. Mais sans ça, peut-être que je l'aurais réussi quand même, là, j'aurais réussi quand même à le battre au moins, là. Il y avait des chances que je le batte, Seigneur, sans ce lag-là. Donc c'est ça. On va se rejoindre après, parce que je voudrais que vous compreniez pourquoi que je voulais prendre ma revanche sur Jaivy. Parce que, regardez, tout juste avant, ok, j'ai essayé avec les tomates d'avoir ma première partie sans chuter avec 4 joueurs pour enfin qu'il soit parmi mes personnages des champs chutés. Mais ça donne jamais parce que, genre, les gens sont trop forts. Comme, genre, le premier adversaire que j'ai été confronté, c'était Arte, qui jouait Shooks, Seigneur, qui jouait très bien de son Shooks. Puis là, à la fin, il avait joué Little Mask sur la tour prismatique. Et, ben là. Vous connaissez l'histoire de Cadet avec son S qui spam à mort de son attaque, de son double saut, hein, pour mettre KO tous ses adversaires qu'il utilise constamment. Tu sais, je devais gérer, genre, un excellent joueur plus deux spammers. Tu sais, puis j'étais buzzer. Ouais, c'est ça. En fait, c'était dur à gérer quand même, là, Seigneur, je pouvais pas gérer tout en même temps, là, genre. Tu sais, soit que je m'occupais de Cadet, soit que je m'occupais de l'autre joueur que je voulais essayer de mettre KO. Mais tu sais, crime. C'était soit lui ou soit moi qui gagnais là, dans ce temps-là. Mais dans ce cas-là, c'est lui, il gagnait tout le temps. J'étais jamais capable de le battre. Je me forçais comme un fou pour essayer de le vaincre. Puis lors de la deuxième manche, quand j'ai joué Ike, ça a passé proche, mais il a gagné le point qui lui a assuré la victoire. Je pense qu'on j'avais peut-être mis 4 KO puis j'avais subi que deux chutes, tandis que lui, il avait fait 5 points,
n'avait subi que deux chutes. Fait qu'on était, j'étais à plus 2 puis lui à plus 3. Mais j'ai pas enregistré la vidéo par contre. En tout cas, c'était un méchant bon joueur là. Ouais, RT là, avec son joueur de show, ça, il était très fort. Mais quand même, là, j'ai essayé de d'offrir de la résistance, mais on disait que c'était insuffisant. T'sais, j'ai essayé de le battre, mais il était vraiment trop fort là. T'sais, il jouait de la même façon que moi que je joue d'habitude. Bon, donc c'est ça, on va se rejoindre pour ça, je vais vous expliquer après ça pourquoi que je manifeste une plainte là-dessus.